Copernicus data are increasingly being used by local and regional authorities across Europe. The 99 user stories contained in this book collectively testify how Copernicus provides solutions to address a wide range of challenges. There are many portraits showing how the system contributes to modernizing the public sector and deliver more efficient public services. For example, data from the Copernicus Sentinel-2 satellites can be used to monitor and detect changing occurring over large areas. This story is about how Sentinel-2 data are being used to support the inventory and monitor the evolution of brownfield sites in Wallonia. Christophe Razumny, donc je travaille à la direction de l'aménagement et territoire du service public de Wallonie. Nous gérons l'inventaire des sites réaménagés, qui sont les sites d'activité désaffectés, donc les anciens sites abandonnés, que ce soit des sites industriels, mais également des anciens sites publics, enfin, toutes les friches urbaines par exemple. Dans ce cadre-là, nous avons besoin de mettre à jour cet inventaire, parce que cet inventaire étant diffusé sur Internet, certains investisseurs consultent cet inventaire, et donc il est important que cet inventaire reste à jour. Un site abandonné, s'il y a des choses qui se passent, automatiquement c'en est plus un. Et donc du coup, il est intéressant à ce moment-là pour nous d'aller le visiter pour voir si il n'y a pas nécessité de le retirer de l'inventaire. Actuellement, cette base de données est mise à jour par visite de terrain d'agents qui vont sur le terrain et c'est extrêmement consommateur en temps et en argent. Donc l'idée était de voir s'il était possible d'utiliser une solution qui utiliserait des données de télédétection, aussi bien des données d'orthoplan que des données satellitaires, comme par exemple les données Sentinel-1 ou les données Sentinel-2. Le gros avantage de ces données, c'est que ça nous permettait d'avoir une vue globale sur l'ensemble de la région wallonne et d'analyser date après date des changements. Et l'analyse de ces changements permettait d'obtenir une prioritisation des différents sites à visiter et donc de réduire le coût humain de la constitution de cette base de données et surtout de cette mise à jour de la base de données. L'intérêt de ces sites désaffectés, c'est qu'ils sont à 85% en zone urbanisée. Et la mobilité y est idéale. Et donc, ça permet, en réhabilitant, d'éviter justement d'aller dans les terres agricoles, enfin donc de construire dans les terres agricoles, et donc éviter l'étalement urbain. Les objectifs futurs, c'est de trouver une solution de plus en plus automatisée où on pourrait réduire, entre guillemets, l'aspect expert, l'aspect photo-interprétation. Donc l'idée qu'on a, c'est de pouvoir mettre en place un système équivalent à un service où, de façon automatique, tous les mois ou tous les deux mois, le service de la région wallonne pourrait recevoir une liste des sites prioritaire à visiter. This was just one of the examples of the Copernicus for Regions collection, but there are many others and we invite you to have a read of the many Copernicus user stories presented in this publication. Discover how Copernicus data are being used by local and regional authorities in Europe.